par ici, nous sommes à frontière de la Nandjoli. Frontière de la pas tout à fait. Nandjoli, oui, puisque Miro. Donc, une petite rivière là-bas. Mais Nani. Angar, là, c'est juste notre limite aussi. Bon, c'est juste que là. Monsieur le référent, vous voyez le palmier qui est brûlé là-bas, côté là-bas. Oui, ah, en bas. Oui, oui, oui. Ça se trouve chez nous. Les gens, dans quatre concessions, ils sont les palmiers brûlés là-bas. Ah, oui. Les palmiers brûlés là-bas. Dans la place, c'est les voilà. Donc, il y a ma palmier en Nosso. Les gens, juste la rivière. Parce que rivière, ils ont. La rivière. Rivière, ils ont. Et ça, ils ont. On peut faire un tour par ici. En attendant l'heure de la fin. Oui, 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 c'est ça, c'est pour ça. Monsieur le référent, on peut faire le tour là-bas. Vous êtes ici depuis 14 ans. Mais comment vous appelez? Moi, je m'appelle Muzinga Makenga et j'ai Gérard. J'ai 7 enfants, mon père de 7 enfants. Mes enfants, 3 enfants qui viennent d'être finalistes. Félicitations. Il y a 4 que je suis en train de suivre. Félicitations. C'est lui-même qui a fait comme ça. Tout le monde qui sont ici sont des milliers de nous. Tu vois qui quitte. Quand on commence notre bloquer, tout le monde va éparpiller. Le terrain sera solide. Oui. Bonjour, Bonny. Il faut que vous ayez avant.
Oh, Jerry. Boy. C'est les chaises de l'autre côté pour bien se faire de l'autre donner aussi les noms, pas seulement les prénoms. Oh.
Tu m'as terrassé. Tu m'as rangé. Tu as été le plus fort. Malheur. Malheur. Malheur à moi. Si je m'annonce la parole du Seigneur. Ils savent très bien. Et lui-même, le monsieur pour la communauté ici circulé, il nous a dit non, de ne pas les agresser, laissez-les, ils vont partir eux-mêmes. Si le missionnaire vient voir, ils vont partir. Oui, mais ça c'est toujours des problèmes. Ils ont conçu comme ça. Ouais. Ça c'est des grands investissements. Et c'est qui, voyez, monsieur, c'est... Vous connaissez c'est qui? Le colonel. Un colonel? Non. L'autre ici, c'est pas un colonel. L'autre ici, c'est pas un colonel. Les gardiens là. Non, l'autre ici, donc, est un. Si c'est un étranger. Ah, ok, à l'étranger. Ah, mais il a mis un gardien. Moi, t'es pas bon. Ok. Oui, mais du moins, voir, ça, c'est une construction là, ça, c'est quelque. Oui, bon, mais, les gens, parfois, ils font la sourde. Oui, ils ont appelé à. Il faut le pousser. Oui. Bonjour la famille. Ah, bonjour. Bienvenue chez nous. Ma soeur. Oui. Sœur Madeleine, trinitaire de Valence. Ah, Valence. Nous sommes là. Valencia. Ok. C'est bien. Moi, j'étais déjà chez vous. Le premier jour quand nous sommes venus. Si. Vous nous avez bien nourris. Ah bon? Ben oui, c'est pourquoi votre présence est importante. Nous l'espérons pour cette fois aussi. Vous l'avez bien nourri, nous l'espérons. Je crois qu'aujourd'hui, c'est nous qui serons bien nourris. Ah et vous êtes à combien de minutes d'ici? Juste 8, hein? 8 minutes. 8 au volant, c'est quand même quelque chose. Au volant ou à pied? C'est 8 minutes au volant. Il faut lever le masque pour qu'on voit bien le visage. Parce que après, on va plus vite. Elle ne savait pas qui filmait. Hein. Si, je vois 3 visages connus, voilà. Ah oui? Il y a le père... Joseph. Mm-hmm. Il y a le père Baudouin. Ah oh. Qui est inaperçu. Ah. Il y a le père... le nom... Je crois par ma consoeur, Chantal Marie. Je ne sais pas si... Voilà. C'est le père Didier. C'est le père Didier. Voilà, elle était étudiante là, ISP. Ah, voilà. Ok. Et puis le père Baudou avec les sessions partout. Ah, voilà ça. Oui. J'ai enlevé le masque. Si, voilà, vous avez enlevé le masque. Maintenant, on vous voit très bien. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Vraiment. Ah, oui. Vous êtes à quoi depuis le moment? Très bien. Bon, non, non, Espagne. Valencia, au sud d'Espagne. Espagne. T'as là. Bonjour, mes soeurs. C'est Sœur Marie-Blanche, bienvenue. Sœur Marie-Blanche. Mais elle est noire. Elle est noire, mais c'est ce que je voulais dire, une blanche noire. C'est Marie qui est blanche, c'est pas Blanche qui est Marie. Ah, c'est ça. Et elle, c'est noire. La reine. La reine. Oui. Ah, ben voilà.
Ouais, Régine Achille, ah, reine du ciel, pas de la terre. Ouais. Didier. Ce sont des bons conférences. Moi, c'est le caméraman. Je suis Jean-Baptiste Malengue. Père Jean-Baptiste Malengue. Au Blood Marie. Gabriel Kinze. Ah, ok. Encore lui son. Oui. Il est encore là. Il est encore là. Il est ici. Ah, non, non, là. Au Cameroun. Si vous êtes conservé depuis combien d'années? Deux ans. Oui, ouais, septembre 2018. Dans l'église qui fait le vacarme, là, c'est là-bas à côté de chez nous. Ah, c'est ça. Face, là. Okay. Mais c'est beau ici. Oui, c'est vrai qu'il y a une belle vue. Bonjour, vous qui êtes de l'autre côté de la rivière. Nous avons traversé, vous restez encore là. Il continue à admirer. C'est où chez vous? Ouais. Chez vous, c'est où? Chez nous, c'est derrière toi. Ah, c'est de l'autre côté. Oh,
Merci beaucoup. Voilà, c'est... je suis sœur Madeleine, congrégation trinitaire de Valence. Mokonon Congo, Madeleine, voilà. Et je suis ici à Kibomango depuis bientôt 2 ans. La communauté est ici. Et notre circulaire, sous paroisse Saint-Hubert. En ce jour de joie, vraiment, nous avons toute la joie avec la communauté chrétienne d'ici pour recevoir les prêtres, les oblats de Marie, qui nous ont été envoyés par le cardinal pour protéger et soutenir cette circulaire. Toute notre joie. Monsieur l'abbé, vous avez fini, vous ne ferez plus jamais ce que vous faites là, n'est-ce pas? Non, c'est fini. Maintenant, nous avons d'autres prêtres, de prêtres pour Saint-Hubert. Et moi, je suis nommé ailleurs à Saint-Nicolas. Et on a célébré avec au moins 6 concélébrants en ce jour. Merci et merci à toute la communauté Saint-Hubert. Merci à vous tous. Comment vous appelez-vous, monsieur? Monsieur l'abbé Gatien Moulumbaka Bamba, prêtre de la diocèse de Kinshasa. Merci. 2 ans que vous avez passé ici, vous avez dit? Oui, je fais. J'étais venu à Saint-Jacques comme stagiaire, ordonné diacre ici et prêtre. Et alors maintenant, comme prêtre, je suis envoyé à la paroisse Saint-Nicolas à Kinkole ici, et dans le même doyenné avec Saint-Jacques, et ordonné depuis le 5 septembre de cette année même. Vous pensez que cette paroisse va... Quel avenir vous... Oui, ça va prospérer parce que les gens ont soif de Dieu, les gens ont soif de la prière. Ils sont contents alors d'avoir aujourd'hui des prêtres chez eux. Et ils remercient également le cardinal Fridolin Mbongo pour la nomination de 2 prêtres au blanc de Marie Immaculée dans cette nouvelle structure, dans cette paroisse Saint-Hubert. Nous avons de l'espoir et de l'espérance que ça va progresser. Nous aurons des infrastructures convenables. Merci. Avec l'appui du Seigneur. Merci, monsieur. Vous êtes l'animateur. Qui est-ce que vous êtes ici? C'est vous qui avez parlé tout à l'heure? Oui, je suis le secrétaire de la paroisse Saint-Hubert. Ok. Alors, nous tenons compte d'aller premièrement de remercier notre papa cardinal Ambon qui nous a fait grâce de nous envoyer des prêtres missionnaires Père Oblat. Depuis 14 ans de souffrance que nous manquons des prêtres dans ce lieu, alors nous sommes très émus et de joie pleinement. Alors, nous souhaitons de bonnes choses, que nous avons l'assurance avec la conviction de Dieu que cette paroisse va progresser et nous aurons de grandes choses vraiment qui seront des choses étonnantes. Les gens vraiment vont étonner de cette paroisse. Ça va, c'est pour ça que je vous remercie aussi. Ça fait 14 ans. 14 ans sans prêtre, de la souffrance toujours. Mais vous êtes une sous-paroisse, c'est qu'il y avait des prêtres qui venaient. Les prêtres venaient irrégulièrement pour célébrer des messes, mais nous donnons plutôt peine à descendre du centre de 6 km jusqu'au Saint-Jacques. Comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Monsieur John M. Mousse. Je suis secrétaire de la paroisse Saint-Hubert. Merci. Oui, Malik est vraiment. Oui, Nazali, coordonnateur à Saint-Hubert. C'est Peli Poyakouzoua Banganganzambe Yabissou, Awa na Saint-Hubert, pendant que Zamouyangé dit à Yambo, Awa na Saint-Hubert, Outo, Pere Sumbamaki, grâce à M. l'abbé Paul, ou à Pesa Kibissou, Pesa Kemoussala, Poyakou Kengé la paroisse Eye. Ana papa Géry, en tout cas, tout Bundi Mini Penza. Mais les lois Banganganzambe Baye, tous en essayant, Poyakou Yambabango, Pote, tout ça, la Pia Moussala, Oyo. Merci. Papa Géré Zayo. Oui, je suis papa Mousinga Makenge Géré Gérard, représentant légal paroisse Saint-Hubert, en salle à 14 ans. Toujours en permanent à la Sango. Merci. Yom Tolobake, oui, bossé à Missa. Merci. Ba maman légionnaire est à Saint-Jacques et à Saint-Hubert. Ba maman légionnaire Balobini. Balobinini. Merci. Maman, comment on en est? Comment on en a, maman Marie? Marie, deux fois.
Marie Lufa. Mama qui a aussi eu. Maman, maman, pèse comme on a eu. Ngaï, maman Christine. Ngaï, maman Jeanne. Merci. Bon. Voilà tout qui est. Je réponds au nom de Gilles Lazare Pella. Je suis Koumou de Saint-Jacques, mais transféré à Saint-Hubert. J'ai m'occupe de Koumou nécessairement et de la liturgie. J'ai aussi un fils qui est en Rome, qui s'appelle David Kapunda, qui venait d'être, qui a fait ses premiers vœux le 20 septembre de cette année ici. Je vous en remercie. Alors, votre joie pour aujourd'hui? Je suis vraiment très joyeux, très joyeux d'avoir vu nos pères qui sont venus nous assister. Et le père surtout qu'on a envoyé ici chez nous. Nous espérons que nous allons travailler en collaboration avec lui. Merci. Oui, moi c'est M. Frédéric Leque. Je suis l'un des fidèles de la paroisse Saint-Hubert, paroisse qui vient de voir les jours avec l'arrivée des Pères Oblats de Marie Immaculée. Nous sommes très ravis, nous sommes très contents par leur présence. Nous estimons que les Oblats sont des bosseurs. Ils vont nous aider à nous développer. Ils vont nous aider ensemble avec eux. On va aller de l'avant. Et nous sommes très ravis, vous voyez la population, comment la population est émerveillée par leur présence. Jacques Mutuona, député honoraire. Je suis dans le quartier ici déjà pendant 3 ans. Je suis chrétien de la future paroisse Saint-Hubert. Nous sommes très contents du fait qu'on vient maintenant d'installer l'équipe pastorale de la paroisse. Et ça donne de l'espoir aux chrétiens. Il nous arrivait de passer 6 mois sans messe. Parce que nous sommes un peu éloignés de la paroisse mère Saint-Jacques. Et tout le monde a eu de la patience pour attendre? Oh, pas tellement. Il y a des gens qui ont eu de la patience et d'autres sont allés dans les églises de réveil. Et comme on avait ouvert une paroisse de l'église catholique libérale, là où il y a un mot catholique, les gens sont partis. Mais il y a une équipe, il y a un groupe de gens qui avaient persévéré et qui continuent. L'arrivée de l'équipe pastorale, vraiment, ça nous réconforte. Merci, honorable.